J'ai terminé le 18e rang, je suis sur mon 19e rang, donc sur l'avant de mon travail. Et nous allons continuer à tricoter nos mailles. Donc à l'endroit, pardon, nous tricotons nos mailles à l'endroit. Je glisse mon tout premier anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Donc j'arrive à mon anneau marqueur, je le glisse, je fais un jeté et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais un jeté et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit ainsi jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc un jeté, 9 mailles à l'endroit, un jeté, on glisse l'anneau marqueur et on continue ainsi jusqu'au bout. Donc 20e rang, les 7 mailles de bordure à l'endroit, tout le reste à l'envers. Et on va se retrouver donc sur notre 21e rang. Donc on se retrouve sur notre 21e rang. Et ici, nous avons terminé notre deuxième triangle. Et nous allons commencer donc le troisième. Alors, vous savez que ces triangles, ça va nous permettre de faire... Donc, ce sont des augmentations pour élargir le haut de notre robe. Alors, la troisième augmentation, enfin, le troisième point, le début du troisième point ajuré. Donc, moi, j'appelle le point ajuré, c'est l'ensemble de ce petit V, là. Alors, nous allons tricoter nos mailles de bordure. Comme ceci. Et là, donc, je glisse mon anneau marqueur et là, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme vous avez vu, je n'ai pas enlevé mes anneaux marqueurs alors que j'aurais dû ou j'aurais pu, mais ce n'est pas grave. On va le faire au fur et à mesure. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc j'enlève mon anneau marqueur, 16, 17, 18, 19, 20, alors normalement on doit avoir 21 mailles, c'est exactement ça, parce que nous avions 16 mailles, ici, après notre anneau marqueur, et à chaque fois on rajoute 5 mailles, donc on fait 5 augmentations de chaque côté. Donc je vais, il est où mon anneau marqueur? Il est transparent, je ne le vois plus, il était là. Bon, il est là. Je place mon anneau marqueur, je fais un jeté et je tricote une maille, un jeté, et là, alors je vérifie bien, et là nous allons tricoter. Pardon, nous allons placer un anneau marqueur, mais j'ai pas d'anneau marqueur là. Il aurait fallu que je les enlève avant, donc là j'en ai pas pour le coup. Donc vous placez votre anneau marqueur là après le jeté et on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, donc j'enlève mon anneau marqueur, 26, et je vais venir m'arrêter donc ici. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 27, 28, 29, 30 et 31. Donc je replace mon anneau marqueur. J'ai tricoté 31 mailles, je place mon anneau marqueur, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je place mon anneau marqueur. Et là, je vais tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'enlève celui-ci, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, j'enlève mon anneau marqueur, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Alors normalement, comme j'avais 32, je dois arriver à 42 mailles. Ce qui correspond très très bien. Donc je place mon anneau marqueur. Il faut toujours que, regardez, je sois dans la continuité de la toute première maille, regardez, que nous avions fait ici. Ici, regardez, la toute première maille au milieu de nos jetés. Et quand on suit la ligne, eh ben, faut que là où nous commençons le point, il faut que ça soit sur la même ligne. Donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté à nos marqueurs, et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, j'enlève mon anneau, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, j'enlève mon anneau, 26, comme ils sont transparents, j'ai du mal à les voir, 36, 26, j'étais, que je te racontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, normalement 31. Regardez, quand je suis ici, regardez, quand je suis, je dois arriver, regardez, sur la même maille, donc la continuité de la ligne. Mais bon, vous, vous suivez le nombre que je vous donne. Donc 32, je place l'anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je place mon anneau marqueur. Et là, je vais tricoter, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Donc c'est parfait, 21 mailles. Hop, je glisse dans le marqueur et je vais tricoter mes mailles de bordure. Je ne vais pas faire tout de suite une boutonnière, je le ferai un petit peu après. Maintenant, regardez, nous avons terminé ensemble, que je dise pas de bêtises, le 21e rang. Nous avons terminé le 21e rang. Le 22e rang, vous êtes sur l'arrière du travail. Le 23e rang, nous sommes sur l'endroit. Au 23e rang, vous allez répéter ce que nous avions fait avant, donc ici. C'est-à-dire, quand vous êtes sur l'endroit, entre les deux anneaux marqueurs, une augmentation là, une augmentation. Là, vous allez tricoter 3 mailles, vous allez faire une augmentation donc sur, à chaque anneau marqueur. Ça, c'est le 28e. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, on a terminé donc le 21e. Donc, le 23e rang, vous faites comme ceci. C'est-à-dire, vous allez faire une augmentation, tricoter 3 mailles à l'endroit, ici, au milieu des anneaux marqueurs. Le 24e rang, vous allez tricoter tout à l'envers. Le 25e rang, vous allez recommencer à faire les augmentations. Entre les anneaux marqueurs, une augmentation, vous allez tricoter 5 mailles et une augmentation. 25e rang, j'ai dit, au 26e rang, tout à l'endroit, à l'envers. Au 27e rang, vous allez avoir entre vos anneaux marqueurs une augmentation, 7 mailles, une augmentation. Donc, vous suivez exactement la même chose que nous avons fait pour ces deux-là. Et on va se retrouver donc à la fin pour voir si nous refaisons encore des augmentations ou si nous allons arrêter, si ça nous suffit. Entre-temps, n'oubliez pas de faire votre boutonnière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons, après la boutonnière, nous avons 9 barres de points mousse. Donc, vous allez tricoter votre 22e rang à l'endroit, à l'envers, pardon, à votre 23e rang, vous allez faire une boutonnière ici, comme nous avons fait ici. Et on va se retrouver donc pour la suite. On va certainement se retrouver, je pense, dans la troisième partie, pour voir si nous continuons à faire nos augmentations ou si nous arrêtons là et nous passons à la partie jupe de notre robe. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Donc pour la troisième partie, je vous souhaite un bon tricot. On se retrouve donc pour la suite. Donc nous nous étions arrêtés au niveau de notre troisième au niveau de notre troisième augmentation. Donc nous avions fait le premier rang ensemble. Donc moi j'ai continué après à faire mes rangs et normalement, que je dise pas de bêtises, vous avez fait donc vos 30 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 30 rangs, donc en faisant bien les augmentations à chaque fois de chaque côté, donc moi j'ai recommencé pour une quatrième fois. J'ai recommencé, regardez, une quatrième fois parce que c'était pas suffisant. Regardez, nous avions fait le premier ensemble, deuxième, troisième, nous avions commencé ensemble et j'ai fait moi le quatrième, regardez, point fantaisie, donc le quatrième triangle, j'ai commencé. Donc je l'ai commencé au 31e rang et je vais vous donner le nombre de mailles pour commencer à faire ce petit motif ou ce point fantaisie ici. Donc je vais vous dire le nombre de mailles au 31e rang. Donc 30e rang, vous êtes sur l'envers, vous avez terminé. Vous êtes à vos 31e rang et nous allons refaire. Donc, nous allons commencer à préparer le début, regardez, de notre triangle. Et pour cela, donc, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Vous allez tricoter 26 mailles à l'endroit. Vous allez placer votre anneau marqueur. Vous allez faire une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Vous allez placer votre troisième anneau marqueur. Vous allez tricoter donc 41 mailles là, au niveau de la manche.
Vous allez tricoter 41 mailles. Vous allez placer votre anneau marqueur. Vous allez tricoter une maille. Vous allez faire, pardon, vous tricotez 41 mailles, une augmentation, vous tricotez une maille à l'endroit, une augmentation, vous placez votre anneau marqueur. Nous sommes sur le devant, donc sur le devant, vous allez tricoter 52 mailles à l'endroit. Vous allez placer votre anneau marqueur, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, donc des jetés. Vous placez votre anneau marqueur et vous allez tricoter 41 mailles. Vous allez placer votre anneau marqueur, vous allez faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, vous placez votre anneau marqueur. Vous allez tricoter 26 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Entre-temps, j'espère que vous n'avez pas oublié de faire votre deuxième boutonnière. Après, sur le 32e rang, vous tricotez vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit, tout le reste à l'envers. Nous sommes sur notre 33e rang et notre 33e rang, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à vos anneaux marqueurs à l'endroit et à l'intérieur de l'anneau marqueur, vous allez tricoter. Vous allez faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et vous allez continuer à tricoter à l'endroit jusqu'aux prochains anneaux marqueurs, un jeté, 3 à l'endroit, un jeté. Anneau marqueur, vous le glissez, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, vous avez l'anneau marqueur, vous allez faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, vous arrivez au niveau des anneaux marqueurs, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, l'anneau marqueur, vous le glissez, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc, vous allez répéter comme nous avions fait pour le premier, deuxième, troisième rang. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Alors, je vais vous dire juste, entre les deux anneaux marqueurs, donc on ne tient pas compte du premier et du dernier anneau marqueur, on parle juste des quatre, regardez, des huit anneaux marqueurs que nous avons au milieu de notre travail. Et au 35e rang, vous allez avoir un jeté, 5 mailles à l'endroit, un jeté entre chaque anneau marqueur. Au 36e rang, vous tricotez toutes vos mailles, donc comme elles se présentent. Au 37e rang, vous allez tricoter, toujours entre les anneaux marqueurs, vous allez faire un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, pareil, les deux anneaux marqueurs, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté. Donc vous allez répéter ceci à chaque regarde 4 fois, ici, entre les anneaux marqueurs. Le reste, vous tricotez tout à l'endroit. Le 38e rang, toutes les mailles comme elles se présentent. Au 39e rang, ça va être notre dernier rang d'augmentation. Et entre les deux anneaux marqueurs ici, vous allez avoir un jeté, 9 mailles, un jeté. Pareil au prochain, un jeté, 9 mailles, un jeté. Et vous continuez ainsi. Nous avons terminé pour nos augmentations. Donc, pour le corps de la robe, vous êtes sur l'envers de votre travail et vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent et nous devons obtenir 244 mailles. Ici, nous avons 244 mailles sur notre aiguille. Maintenant, nous allons passer pour la manche. Alors, pour ceci, nous allons tricoter 39 mailles. 1, 2, vous savez quoi? Voilà, une fois que vous avez donc fait tous vos rangs, on se retrouve, donc nous avons fait notre 40e rang et on va se retrouver sur notre 41e rang. Et donc je vais arrêter la deuxième partie ici et dans la troisième partie, nous allons faire donc les emmanchures, les manches carrément et la suite de notre robe. Donc je vous dis à très vite pour la troisième partie, je vous souhaite un bon tricot, n'hésitez pas comme je dis toujours, à vous abonner, à mettre vos commentaires. Et je vous dis donc à très vite pour la troisième partie. Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la troisième partie de notre tutoriel pour tricoter cette très jolie robe. Alors, je vous avais dit que nous allions faire la manche de notre jolie robe. Alors, pour cela, nous allons tricoter 39 mailles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, je peux enlever mes anneaux marqueurs. 7, 8, 9. Alors, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, j'enlève mon anneau marqueur, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Et regardez ce que nous obtenons. Donc ça va être plié comme ceci. Et là, nous avons la partie, donc une partie arrière, là, et le devant. Donc, et ça, c'est ce que nous obtenons. Regardez. Voilà en quoi consistaient nos augmentations, ce joli point en V, ce joli point ajouré en V. Donc, j'ai fait mes 39 mailles. À partir de là, regardez, je vais placer un anneau marqueur. J'ai tricoté 39 mailles, je place un anneau marqueur et je vais tricoter 51 mailles. Les 51 mailles que je vais tricoter vont représenter mes manches. 2, 3, 4, 5, donc j'enlève mes anneaux marqueurs au fur et à mesure, 5, 6, 7, 8, alors je compte, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je recompte à chaque fois pour ne pas me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, j'enlève l'anneau marqueur, 46, 47, 48, 49, 50 et 51. Donc j'arrive à ce niveau-là. Donc est-ce que je vérifie si j'ai bien fait mes 39 mailles. C'est pour le devant, enfin le derrière, demi-derrière. Et mes 51 mailles, c'est pour mes manches. Donc je dois avoir en tout 90 mailles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte la totalité, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Parfait. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre nanomarqueur. Une fois que j'ai tricoté mes 51 mailles, après avoir placé l'anomarqueur, donc j'ai tricoté 39 mailles plus 51 mailles. Et là, je tourne et je vais tricoter. Donc je tourne, regardez. Et je vais tricoter juste les 51 mailles de ma manche. Et je vais les tricoter à l'endroit. Comme ceci. Donc je vais tricoter ces 51 mailles. Toujours à l'endroit pendant 2 cm.
Donc, vous tricotez comme ceci. Là, nous sommes sur l'envers parce que nous venons de tourner. Et je vais tricoter ces 51 mailles à l'endroit comme ceci. Donc, une fois que je les ai tricotées, toutes mes mailles, je dis bien mes 51 mailles, c'est pour ça que nous avons placé un nano marqueur. Donc, une fois que j'arrive, je vais vous expliquer la suite. Voilà, j'ai tricoté mes 51 mailles, donc je suis au niveau de l'anneau marqueur et je tourne. Et je vais tricoter encore, donc toujours à l'endroit, pour obtenir un joli point mousse ici. Et nous allons faire ceci pendant 2 cm. C'est-à-dire que ces 51 mailles, nous allons les tricoter à peu près comme ceci pendant 2 cm au point mousse. Et on se retrouve donc après. J'ai tricoté, regardez, mes 2 cm en point mousse. Donc, ce qui m'a fait 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse, ce qui nous fait à peu près 10 rangs. Donc, voilà, j'ai tricoté pendant 2 cm et j'ai rabattu souplement mes mailles. Et là, je vais venir couper ma laine ici, hop, et j'ai fini donc pour ma manche. Voilà, donc nous obtenons quelque chose comme ceci. Maintenant, je suis sur l'endroit de mon travail et je vais tricoter les mailles du dos pour aller vers mes mailles, vers mes prochaines mailles de ma manche. Donc je vais tricoter, en même temps je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'enlève mon anneau marqueur, 6, j'en ai tricoté, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Normalement, je tricote comme je tricote au fur et à mesure que je fais la vidéo. Donc, je suis comme vous. Normalement, si je ne me suis pas trompée, je devrais tricoter 64 mailles avant d'arriver à ma manche. Donc, j'en ai fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Toujours un petit nœud. Donc j'ai dit 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, j'enlève mon anneau marqueur, 59, 60, 61,
62, 63 et 64 mailles. Donc ça, c'est les mailles pour le devant de notre robe, donc les 64 mailles. Et ici, je vais placer un nano marqueur. Après avoir tricoté mes 64 mailles, donc on peut vérifier, je vais les compter deux par deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ce qui nous fait 64 mailles. Et mon anneau marqueur est là. Donc je le place et là je vais tricoter 51 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, j'enlève celui-ci. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, je ne sais plus, je recompte à chaque fois, je me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, j'enlève les autres marqueurs, 47, 48, 49, 50 et 51. Donc les 51 mailles, ce sont nos mailles pour la manche. Donc nous allons tourner et nous allons tricoter ces 51 mailles pendant, comme l'autre côté, pendant 2 cm. Donc au point mousse, nous allons tricoter à chaque fois à l'endroit pendant 2 cm et nous allons donc les rabattre. Et on va se retrouver donc après que nous ayons terminé les manches. Donc tricoter pendant 2 cm et rabattre au point mousse bien sûr. Et on se retrouve tout de suite après. J'ai tricoté ma deuxième manche, regardez. J'ai fait 2 cm au point mousse, donc j'ai tricoté tous les rangs à l'endroit. Et j'ai rabattu souplement mes 51 mailles. Et je vais couper mon fil. Et voilà. Maintenant, nous sommes toujours sur l'endroit et je vais venir tricoter les 39 mailles normalement que nous avons ici devant. Alors je vais vous montrer comment nous allons regarder notre fil derrière. Moi je vais le faire passer. Regardez mon fil, le bout de mon fil que j'ai attaché. Je le fais passer par-dessus mon aiguille et je tricote ma maille normalement. Là, je tricote normalement et regardez. Bon, je fais passer mon bout de laine et je tricote ma maille. Donc, là, je tricote normalement. J'enlève mon anneau et donc je le fais un coup sur deux. Regardez. Ça, c'est le bout de laine que j'ai attaché. Je le fais passer par-dessus mon aiguille, comme ça, de droite, l'aiguille avec laquelle je tricote.
et je prends mon fil normalement et je tricote. Donc si vous n'arrivez pas à le faire, je le passe, regardez, par-dessus et je tricote normalement. Donc si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave, vous le ferez passer avec une aiguille après, une aiguille à laine. C'est pour éviter, voilà, d'avoir des fils qui traînent et éviter justement de les passer après. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, ne le faites pas. Regardez, je fais passer par-dessus et je tricote normalement ma maille. Voilà, je l'ai fait jusqu'ici. Et je tricote mes mailles normalement. Je dois en avoir 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, alors je vais compter, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc j'en ai une de plus. Comme j'ai une maille de plus, c'est pas bien grave. Hop, je prends les deux ensemble et je me retrouve donc avec, voilà, 39 mailles. Donc je garde mon anneau pour marquer la bordure et je tricote mes mailles à l'endroit et on vérifie régulièrement pour voir si on doit faire une boutonnière ou pas. Voilà, donc j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille et je dois avoir, alors je vais vous dire ça, 39 mailles plus 64 mailles plus 39 mailles, ce qui nous fait, on va dire, 40 et 40, 80, 104, 102. Donc, si je ne me suis pas trompée dans les calculs, on doit avoir 102 mailles. Alors, je vais calculer vite fait. Donc, 39 plus 64. Non, ça nous fait 142 mailles et non 102. Donc nous devons obtenir 142 mailles. Nous allons tricoter maintenant, regardez, je vais tricoter un rang toutes mes mailles, donc à mes 7 mailles de bordure à l'endroit et toutes mes mailles à l'envers. Donc mes mailles de bordure à l'endroit et mes mailles, je vais les tricoter à l'envers. En même temps, je vais vous montrer comment nous allons faire pour attacher les côtés et le devant de notre robe. Donc nous tricotons toutes nos mailles à l'envers. Donc rien de particulier à faire ici. Voilà, regardez, j'ai tricoté mes mailles, le demi dos, et là, regardez, j'ai les mailles pour le derrière, et je continue à tricoter normalement toutes mes mailles à l'endroit. Donc, j'ai 142 mailles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir le nombre de mailles exact, parce que nous allons passer au point fantaisie. Vous savez que d'habitude, je vous dis, c'est pas grave si vous avez une ou deux mailles en trop, c'est pas gênant. Par contre, là, nous allons faire le point fantaisie, et vous savez que dans les points fantaisie, il faut être très précis, sans quoi notre point va pas être joli. Donc, d'où l'importance d'avoir à ce stade-là 142 mailles. Nous avons donc, nous tricotons toutes nos mailles à l'envers.
comme ceci. Alors, les tricopines, j'avais dit que je mettrais le modèle de la robe terminée en montage dans la première partie. Et du coup, j'ai enregistré la première partie et je n'ai pas mis le résultat final. Donc, je le mettrai en photo. Et puis, dans la dernière partie, vous aurez, comment dire, le résultat de cette jolie robe. Je suis désolée, mais voilà, des fois, je veux aller très vite et je fais des bêtises. Donc, je termine le devant de notre robe et je vais tricoter l'autre moitié. Donc, regardez, je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur et après je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc jusqu'à maintenant, je suis toujours à une pelote de laine. J'ai plus mon anneau marqueur ici, donc voilà. 7. Donc je vais replacer l'anneau marqueur parce que je l'ai plus. Et mes 7 dernières mailles, donc les bordures pour coudre nos boutons, je les tricote à l'endroit. Donc nous sommes sur l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, ce que nous allons faire, nous allons tricoter ces 142 mailles, sauf nos mailles de bordure. Donc, ça va être toujours notre petite... Nos bordures, nous les gardons jusqu'à la fin de notre robe. Voilà. Donc, ici, je vais tricoter une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, à l'envers, pardon, une maille à l'endroit. Donc, vous allez tricoter, pardon, là je me suis trompée pour ma maille, voilà. Nous allons donc tricoter en côte 1-1, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur de notre deuxième demi-dos. Donc jusqu'à cette bordure-là, nous allons tricoter nos mailles en côte 1-1 pendant 1 cm. Vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure, vous allez tricoter en côte 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à l'anneau marqueur ici, donc jusqu'à la bordure ici. Et ici, vous allez tricoter donc vos bordures, 7 mailles à l'endroit. Donc vous allez faire ceci pendant 1 cm et on se retrouve après.